Buenos días o buenas tardes. Un gusto saludarles. Nous, dans lenguaje y comunicación, c'est pour deuxième trimestre. Nous, dans deuxième trimestre de l'année. Ça, c'est guía 1, lenguaje y comunicación, pour tercer nivel básico. Tercer nivel básico. Pour nous capables de répondre avec Yasa, il y a des langages qui c'est professeur Ximena Ayala. Eh bien, on va mettre nom, n'est-ce pas ça? Et puis classe là. Par exemple, si on a tel seul niveau basique B, on va mettre 3NB. Si on a tel seul niveau basique A, on va mettre 3NA. Très important. Objectif guia ça, c'est pour être capable de connaître le concept d'argument et ses principaux caractéristiques avec objectif d'inclure un de la justification d'une question d'interprétation personnelle sur la lecture des deux micro-contes. Lorsque nous finissons de rappeler ça, nous pouvons sous email ça qui c'est Ximena Ayala. Ou bien nous sommes capables de porter dans le lycée de manière présentielle. OK? Pour nous capables de pas oublier que ça, c'est un guia langage. Il faut que nous prenions en pile précaution, faire lecture ou bien pour nous capables de répondre. Je dis que pour nous capables de penser avec petite note unité. Pensez avec titre unité noire. Titre là, qui c'est problèmes sociaux du pays dans la littérature chilienne contemporaine. À partir de titre ça, nous pourrons répondre à la première question. Première question, il dit que qui ça ou pensez selon vous-même, qui c'est problème principal social que Chili a vive actuellement? Vous pouvez répondre à question ça, vous pouvez répondre par argument ou bien opinion personnelle quand vous pouvez faire passer près des VO. Je dis que pour répondre avec une question d'opinion ou bien réflexion personnelle, et vous pouvez faire une interprétation, ou interpréter le thème là. Et vous devez remettre question à base de un argument. Là, il y a nous quelques exemples. Qui ça y a un argument y est? Qui ça argument y est? Je dis que argument y a, c'est sont des raisons, des faits, des idées qui supportent ou bien qui défendent point de vue là. Et nous devons rappeler donc que argument yo toujours doit répondre avec une question. Et quelles sont les raisons des fondements des points de vue là? Il faut qu'il y ait une raison, il y ait un fondement. Là, yo ban nou yon exemple. Exemple, par exemple, de on prend des vies. Et on prend des vies, par exemple, si on va là, il me dit, par exemple, et moi dit que creo que el vestido rojo te queda mejor. Ça, c'est on prend des vies. Pensez que et vêtement rouge, ça, il y a fait ou bien. Mais argument, faut argumenter pour quelle raison il y a fait ou bien. Pour quelle raison? Là, on a deux types d'arguments. Paul qui était assez belle, masse élégante. Paul qui combina con tus zapatos. Ça veut dire, on prend des vies, c'est une chose. Je pense que c'est une idée qui vient dans la tête. Moi, je me dis, clé ok, opine ok. Mais argument, il faut avoir raison. Okay, donc,
qui a ça li pa permet à ce que nous capable faire une grande différence entre argument et opinion et point de vue pour nous capable connaître comment pour nous et opinion dans une telle situation. OK? Là n'a li ça pour nous capable connaître plus ou moins comment nous capable exprimer les arguments. Nous invitons nous pour nous capables de lire. Et on va nous quelques exemples là, exemples d'arguments. C'est très, très important. Et on va nous donner quelques approches des points de vue. Quelques approches des points de vue. Quelques approches sur arguments. Et de façon à ce que nous capables de connaître comment pour nous travailler dans le diable. Pas oublier que nous te gagnons première question, Léa, nous devons répondre à la question ça. Qui c'est une réflexion personnelle. Réponse ou à l'IA personnelle. Vous comprenez? C'est des arguments personnels. OK. Nous parlons de la partie en bas. J'en dis, nous supposons lire ça pour être capable de comprendre plus bien l'argument et prendre des vies. Et nous devons mettre accent sur lui. Et j'en dis, nous là, ils ont pris des vies. C'est moi penser que ta collab toujours commencer par clé OK opin OK bien OK ça veut dire tout argument tout point de vue il y a toujours commencer comme ça mais argument yo c'est parce que tel bagaille comprenez parce que tel bagaille penser tel bagaille c'est parce que tel bagaille OK n'a pas allez puis bah il y a nous quelques exemples par exemple il dit que ils ont fait c'est quelque chose qui arrivait et ou capable prouver tout mais ils ont opinion et c'est ça ils ont monde penser ou bien ça les penser de quelque chose ça les penser ou bien ça les sentir de quelque chose par exemple il y a nous exemple des ont fait il dit que la mariposa tiene dos alas, ça veut dire papillon a deux ailes. Ça c'est un fait, mais yon opinion, yo dit que c'est lorsque ou ba yon prend de vue. Par exemple, yo creo que es hermosa. Pienso que es hermosa. Siento opino, ça c'est une opinion. OK. Là, yo bande yon exercice nan pati ça devant là, nous pour aller dire six fois ça, c'est une phrase qui yon opinion ou bien s'il c'est un fait. C'est très facile. Yo te dit que toute opinion yo commencer avec creo, pienso, siento, opino. OK? Là nous regarder une phrase ça qui ça qui opinion yo et qui ça qui fait ça veut dire s'il c'est un fait s'il c'est un hecho ça veut dire un fait m'a mettre a h là m'a mettre h ou bien s'il c'est une opinion m'a mettre o très très facile par exemple ça commence par créer OK nous avons gain suspect qui s'allier ça a commencé par pienso que ça a commencé par yo imagino que hein quand nous gétan ouais qui ça yo yé nous gétan ka fait différence entre opinion et fait li très important mesdames et messieurs pour faire différence ça yon fait et yon opinion OK yeah n'a aller pi ba là nous avons deux parties pour nous travailler dans guerre ça OK nous allons puis en piba qui parlait de un assaut et dans l'Omiton ça c'est un texte nous pas lire texte ça n'a analyser m'a parler rapide parce que m'a parler vidéo à longue et n'a lire texte ça nous analyser et tous les personnages texte là après yo parlait de un homblecito l'autre personnage qui est là-dedans encore
Ça, c'est même un blessé, Joe. Ok, n'appelez pour nous capables de personnage. Ok, là, il y a un exemple. C'est que comment nous sommes capables d'inclure et on fait et on opinion dans le moment que on va faire planter bientôt des arguments. Là, il y a un exemple de questions ça qui posait. Ok, dans la partie plus bas, il dit que là, ça c'est parti pas. Ok, ça sont questions pour nous répondre. Ça c'est la troisième question qu'on a répondu dans l'IA. Et il dit que pour répondre à la question suivante, première forme écrite, il dit que est-ce qu'on croit micro-compte là? Micro-compte qui parlait sur instruction pour étudier dans une maison jumelle et surpeuplée. Sa maison, en Casa Paleada, ça c'est maison où jouen, côté en ligne, quand ils mettent tout collé ensemble. Ça c'est Casa Paleada. Et puis, Asinada, c'est surpeuplé. C'est-à-dire, quand il y a pile monde. OK. Est-ce que vous pensez que instruction pour étudier dans une maison jumelle et surpeuplée, il reflète la réalité des jeunes adultes étudiants du pays. Là, on va justifier réponse oui. OK? Est-ce que vous pensez ça, il parlait des réalités qui sont dans le pays? Là, on va bailler des opinions personnelles, des arguments qui ont fondement. Là, c'est texte. Wow. Ou appeler texte ça. C'est sous texte qu'on va le travailler. C'est sous texte ça. Instruction pour étudier dans une maison jumelle et surpeuplée. C'est sous texte qu'on va le parler. OK? Et là, il a dit que pour nous capables de répondre à la question ça, et nous devons bailler près de nous pendant qu'on a utilisé des expressions qui pour professeur à te présenter dans la classe là. Et nous devons gagner by prédéfinir de manière claire et précise. Et nous devons justifier tout argument qui nous a posé. Ça veut dire nous devons gagner des réponses qui concrètes. OK? Là, c'est là nous pouvons mettre des réponses noires. C'est-à-dire réponses avec question ça. Et là, ça veut dire encore. Il dit que comment nous sommes capables d'évaluer les arguments moyens? C'est à travers une simple méthode pour capable contempler les quatre questions. Premièrement, arguments lui présenter des formes claires et compréhensives des prédévis moyens. Deuxièmement, est-ce que l'argument lui-même lui a une raison qui justifie pour capable valider par l'autre? Et puis, troisièmement, est-ce que l'argument lui a une relation des formes logiques avec les thèmes qui sont apportés dans les textes qu'il lit. Hein? Et quatrièmement, argument, nous remettre là, il doit être suffisant, il doit avoir une information qui est suffisante pour capable répondre avec la question qu'il a posée. Est-ce que, selon vous-même, vous dites que, est-ce que vous pensez argument, ça, ou soit rédacté, ou soit écrit, il accomplit les quatre critères antérieur, on va dire oui ou non. OK? Bon, c'est sûr que c'est oui pour dire. Bon, bon. OK. L'autre question, exercice de vocabulaire de contexte. Je dis que micro-conte à Salto et Lomiton, il décrit le personnage principal comme hombrecito. C'est-à-dire, il utilise un diminutif. Parce que lorsque nous avons omblé, nous ajoutons ito, bien sito, c'est-à-dire c'est un diminutif. Eh bien, il m'a dit que il ne s'est utilisé ça le terme omblé. Il n'a pas utilisé l'homme. Pour qui ça vous pensez au terme lui-même, il prend décision ça. Et comment et nous capables et vinculables, nous capables et pas bah, une relation avec texte, avec parcelle qui n'a texte.
On a conseil qui nous a bail. Et ça veut dire ôter à l'utiliser ombre sitôt parce que l'homme qui était entré dans le restaurant, il était entré avec un vêtement qui était sale, qui était chiré, qui était à la peine. Ça veut dire qu'il n'est pas en bon état. Ça veut dire c'est une forme qui a minimisé. Il a minimisé l'homme qui était entré, mais c'est ça fait. Il n'a pas utilisé l'homme, mais il est humble sitôt. La question de là, je m'en demande pour nous capables de bailler quelques synonymes des termes ça. Par exemple, à la bientôt, pour nous bailler quelques synonymes. À la bientôt, c'est un monde qui est mal habillé, un monde qui est sale, contemplé, paliada, c'est une maison qui est collée, et maison en jumelle, assinada est surpeuplée. C'est-à-dire quelques synonymes, quelques mots qui ont la même signification avec quelques mots qui sont similaires. Donc, ou avec qui parle là. Okay? Je dis que comment concept ça, il remet un sens avec l'histoire qui nous lie. Concept ça, il y a sens avec l'histoire qui nous lie. Selon même, comment ça fait? Est-ce qu'il y a sens avec le thème qui nous lie? Ok, et pour nous finir, question 3, il dit que si les instructions n'est pas estudiadas en casa, pas de asignada, te darás cuenta que hacia el final del texto se repite constantemente el término ignola. Le texte que nous te lia, qui les instructions pour étudier dans une maison jumelle et surpeuplée, eh bien, si nous prenons compte, il a répété mot ça en pile, qui est les ignola. Il a répété en pile. Et bien, on dit que pour qui ça vous pensez, mot ça, lui paraît constamment. Hein? Eh bien, il dit que, qui sens répétition, ça lui-même dit rien. Eh bien, ignola. Par exemple, pour étudier dans un cas qui paléada, un cas qui a un pile monde qui est supplé, eh bien, il y a un pile bagaille ou obligé ignorer. Par exemple, dans le texte là, par exemple, en Léa, il dit que ou t'as supposé ignorer maman qui a parlé, ou t'as supposé ignorer la musique, ou t'as en musique qui a voisin, ou t'as supposé ignorer télévision qui a fait bruit, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont regardé télévision, et où sont les gens qui ont étudié, eh bien, pour capable et réussir, il faut que ou ignorer, ou ignorer tout bruit qu'a fait finalement. Ou pour aller habituer avec brio, même si vous avez fait, ou ignorer, et puis vous avez étudié. Eh bien, c'est dans le contexte, il a posé une question. Eh bien, il a dit que pour qui ça, mot ignorer, le répéter plusieurs fois dans le texte, c'est parce que pour étudier dans une maison qui est surpeuplée, qui a pile de monde, eh bien, il faut être capable d'ignorer un pile de bagaille juste pour être capable. Et joignez espace pour étudier. Moi, espérer que ça t'ait servi, nous, et je souhaite tout le monde bon succès.